Bonjour les gens, bienvenue aux Vieux Gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76, en live from la Vallée Toxique dans les Appalaches, voici le 16e épisode d'Un Jour Un Camp. White Springs, c'est un endroit qui n'est pas particulièrement touristique, pas très bucolique, ou du moins c'était bucolique à fut un temps, mais vu ce qui reste de la végétation, on va pas véritablement appeler ça bucolique. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a le parc Wheeland qui se trouve à proximité, et nous allons là où il y a cette espèce de surface là, avec un joli effet clipping des familles qui devrait nous laisser voir apparaître les murs dans quelques secondes. Oui, oh regardez ça, le camp se construit sous nos yeux. Eh bien, Lily a construit typiquement ce qu'on appelle une grosse cabane. Hein. Il y a pas d'autre mot, c'est un gros cube sur deux étages qui est posé sur un petit éperon rocheux. Nous sommes près de la ferme des Wheeland. Et nous allons essayer d'accéder à son camp, je pense par l'autre côté. Voilà. Là, on voit qu'en tout cas, c'est en vieille brique. C'est un bâtiment en brique. Il y a l'air d'avoir beaucoup de fenêtres, il y a des fenêtres partout, en fait il n'y a que des fenêtres. Alors il y a certains camps qui sont souvent fermés, sur lesquels vous n'avez aucune ouverture ou juste une porte. Là, au moins pour le coup, il y a... Alors bien sûr, il suffit que je dise ça pour que ce côté-là, il n'y ait qu'une seule fenêtre. Mais sur la façade arrière, vous allez... Voilà, sur la façade arrière j'en étais sûr, et sur la façade surtout avant, il n'y a que des fenêtres, pas de pans de mur fermés. Alors, voyons voir. Nous allons rentrer... Oh. On construit donc un camp autour du petit jardinet. D'accord. Voilà. Eh bien écoutez, ça donne un certain genre. On dirait une espèce d'atrium à l'ancienne. Alors du temps des Romains, c'était plutôt un bassin. Mais là, ma foi, ce sont des cultures. Des cultures qui poussent en intérieur, comme ça. Il y a des dalles de béton qui ceinturent le petit jardin. Un petit jardin intérieur, tranquille, pourquoi pas. Avec donc... un appareil à Monsieur Trognon que je n'utiliserai pas, même si l'envie furieuse m'attire vers cette attraction ridicule, totalement inutile et donc rigoureusement indispensable. Les machines de vente sont ici. Il y a une surprise malodorante à chaque coin de rue. Ça c'est ton problème mon ami, c'est pas le mien. Donc c'est très fonctionnel à l'intérieur alors. En plus, il n'y a pas la moindre déco. Il y a les murs blanchâtres, blancs dégueulasses, comme j'aime pas du tout. Mais bon, après, ça, c'est une affaire de goût. Et nous avons une terrasse. Il y a même une terrasse, voilà. Il y a une grande terrasse qui n'est pas plus aménagée que le reste. Mais voilà, vous avez une grande terrasse de ce côté-ci avec une vue absolument sublime. Dans la blancheur laiteuse d'un matin brumeux dans les Appalaches. En tout cas, vous avez une superbe vue sur le parc Wheeland, hein, voilà. C'est quand même relativement sympathique quand vous venez là, que vous êtes dans votre camp et que vous vous levez le matin. Vous sortez au milieu des émanations toxiques de la vallée, vous avez une vue, wow, magnifique. C'est pas verdoyant comme la forêt, mais ma foi, pourquoi pas. Et nous allons aller à l'étage, puisque je pense que c'est à l'étage que se trouve la pièce de vie principale. Il y a en tout cas, ouais, il y a une porte derrière laquelle se trouve le générateur à fusion classique. Et voilà, quelqu'un qui a fait qu'un demi-mur, parce que je pense que Lily a tout simplement été embêtée par le système de goulottes qui permet de passer à travers les murs, qui est extrêmement compliqué à utiliser. Je connais le même problème. Et du coup, elle a été obligée de laisser ouvert ici et de laisser ouvert ici pour réussir à passer... le courant, et elle a dû pester contre le système. Et sinon, elle a... Oh, c'est sympa, ça. Elle a installé un petit coin. Regardez ça. Un petit coin repos. Un petit coin divan. Un petit coin détente, avec une seule ampoule. Ampoule de couleur multicolore. Cycle de couleur. Actuellement, elle est rouge. Je n'y toucherai pas, parce qu'elle a voulu qu'elle soit rouge. C'est donc qu'elle veut qu'elle soit le rouge. Et puis vous avez derrière la zone technique, voilà, ce que j'appelle la zone technique, c'est-à-dire l'emplacement où se trouvent tous les ateliers,
puisque généralement ils sont tous ensemble, atelier d'armes, d'armure, enfin d'armure et d'armes. Non, d'armes d'abord et d'armure après, c'est bien ce que je disais. À chaque fois je les confonds les deux, hein, cherchez pas. De chimie et de bricolage, et les postes également de brassage et le fermenteur. Ah, je vois qu'il y a, on peut aller sur le toit, il y a un deuxième étage en fait, d'accord. Et là-bas il y a la chambre, je pense que c'est la chambre, oui. C'est la chambre avec un seul lit. Alors, je pense honnêtement, je crois que Lily doit pas être... Est-ce que je peux trouver Lily sur la carte? C'est la grande question. Je pense que Lily doit être un ou une jeune personnage. Je n'ai pas l'impression que... Niveau 99. Non, bon, alors, j'ai rien dit du tout, parce que j'avais envie de dire, c'est plutôt, on dirait plutôt le camp, pas d'un débutant, mais de quelqu'un qui démarre. Non, pas du tout. Déco minimaliste, ça veut dire qu'on est sur un camp qui est plutôt à vocation fonctionnelle, on va dire, plus que décorative. Un moche lit, un très très moche lit pour Lily. Et une méga terrasse qui fait tout le tour du bâtiment, visiblement. Oui, tout le tour du bâtiment. Il y avait déjà une terrasse en bas, mais là on a une terrasse aussi qui fait tout le tour du bâtiment. Et on peut enfin, dernier élément, monter sur le toit. Quelle surprise nous y attend ? Absolument rien du tout. Un toit métallique, je pense qu'elle a installé pourtant des poteaux électriques aux quatre coins. Alors, à quoi ça sert? C'est quoi? C'est des paratonnerres peut-être, Lilith? C'est au cas où elle en aurait besoin, elle n'en a pas eu besoin, elle a eu besoin que de ça pour éclairer autour. Ah, j'ai pas vu qu'il y a des projos en plus tout le tour. Peut-être pour qu'on voit bien les ennemis arriver. En tout cas, où que vous soyez, vous devez le voir de loin, le camp. Hein. Ça, on le voit de loin. C'est pas Grafton, ça, en bas? Si, c'est Grafton. Non, c'est pas Grafton, c'est Clarksburg. Ah oui, c'est ça. C'est la ville de Clarksburg, là où il y a le champ de tir. Ok. Eh bien, écoutez, les gens, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il s'agit d'une grosse cabane. J'ai voulu vous la montrer parce qu'elle est dans la vallée toxique et que c'est assez rare qu'on ait... C'est assez rare qu'on ait des camps qui soient installés dans ce coin des Appalaches. Autant on en trouve énormément dans la forêt, dans les rocheuses, mais les deux endroits, même un peu dans le Bourbier et dans la tourbière à Canberge, mais alors les deux endroits qui sont pour moi les moins aimés pour ce qui est de l'implantation d'un camp, c'est la vallée toxique et c'est la Cendrière, l'extrême nord et l'extrême sud. Et pour une fois que je vois un camp, que j'ai vu un camp qui était placé comme ça, là, dans... La vallée toxique, je me suis dit, mais allez, il faut impérativement, c'est la propriété des Woods, je cherchais ce que je voyais en bas, il faut impérativement que je vous le fasse visiter, et bien voilà, c'est fait. Ce qu'on retiendra, c'est le petit jardinet interne, ce qu'on retiendra aussi, c'est peut-être l'absence de décoration, ça on peut peut-être le regretter, je pense qu'avec une belle déco interne, ça pourrait être un très très beau camp, mais ça n'est pas encore le cas pour l'instant. Mon ou ma chère Lilith, oh, déchets nucléaires, moi je prends, hein. Mon ou ma chère Lilith, c'était en tout cas un plaisir de venir visiter ce camp. Voilà, ce que vous en pensez, vous les gens, ça m'intéresse. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ou si vous vous en foutez royalement, dites-le également. Sur ce, les gens, je n'ai plus qu'à vous faire des gros gros poutous, à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à demain pour un nouvel épisode d'Un jour, un camp. C'était Papillon Live from the Appalaches. À vous les studios. Ciao.